bricoleuse à matin. Fait que moi, j'ai le goût d'enlever ces affaires-là. Il me semble que ça va libérer mon comptoir. Elle a besoin d'espace, la mère! Dans ce temps-là, je suis comme pas arrêtable. Là, j'ai le goût de changement. Le printemps s'en vient. Je suis de même, hein? Tu vois-tu mes patterns, sérieux? Ça n'a pas de bon sens. Je l'essaye, là. Une fois que je suis décollée, tu sais que... Quand je l'ai dans la tête, je l'ai pas d'équipe. Si tu me suivais pas avant, j'avais refait ma cuisine à notre maison au complet. Avec... c'est les moyens du bord, là, mais... Avec les moyens du bord, ça va être facile à enlever. Non, tu vois pas, on essaye de mettre Philippe propre. Jonathan est allé de ramasser du caca avant, moi aussi, en fait. Je suis curée de changer de couche. Rendu à un certain âge, c'est dégueulasse, le caca. Non, si tu veux du jus? Tu vas aller faire pipi dans la toilette. Vas-y. On va aller faire pipi dans la toilette. Tiens. Fait que voilà. Je vais te montrer, là. Ça va comme libérer. Ça fera plus racoin. C'est ça que je veux. Bon, j'ai un petit souci. Ça marche. Ou j'enlève ça pour les faire enlever ou que j'y coupe. C'est ce que je fais. On commencera pas à faire de la sciure de bois. Je vais enlever ça. Je pense que je vais le désenlever. Partout! Tada! C'est fait. Pas plus long que ça. J'aime bien ça. Mais là, je sais pas si je vais enlever celui-là aussi. Mais celui-là, je pourrais pas. Ben, je pourrais, là, mais il va falloir que je fasse des retouches de peinture parce que ça n'a pas été peinturé comme ici en blanc. Fait que je vais voir qu'est-ce que je vais faire. Mais pour l'instant, tu sais, je suis vraiment contente. Là. On dirait que ça a agrandi. Tellement que je vais mettre ma grosse ninja dans ce coin-là aussi. Je vais voir ça. On fait des changements. Je te dis, je suis plus fiable que la marmotte. Moi, là, quand je commence à faire du changement de même dans ma cuisine, c'est signe que le printemps arrive, je te le jure. Comment faire des petits changements dans ta cuisine sans que ça te coûte un bras, une jambe, un rein? Ben, c'est ça. Premièrement, si tu as une cuisine qui est assez âgée puis que tu n'as rien changé, première chose qu'on peut faire, c'est changer les poignées. Moi, je ne l'ai pas encore faite, mais ça s'en vient. Je vais les commander sur Amazon. Je les fais noir. Je vais les mettre noir comme mon îlot. Ensuite de ça, enlever ça ici. Ça fait plus vieux, je trouve. Puis souvent, c'est pour cacher des lumières en dessous puis tout ça. Mais maintenant, ça peut être très, très mince, le LED qu'on peut ajouter. Fait que ça, enlever ça, ça donne une touche de jeunesse à la cuisine, je trouve. Suite de ça, moi, ce que je veux faire aussi, c'est changer les vitres ici puis en mettre des opaques. Là, tu sais, la genre de givre, là, de plexi, glace givrée. Je veux changer ça. Ça va donner un petit air de jeunesse. Ça sera pas tellement dispendieux. Juste changer les poignées, souvent, ça paraît. Sans nécessairement peinturer toutes les caissons, parce que c'est ça, c'est sûr que c'est de bon. Mais prends-le dans tes mains. Puis là, comme je t'avais déjà parlé, je veux repeinturer ça ici, la hotte, toute la hotte noire. Bon, hey, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de mes preps. Je viens de starter mes 3 poulets dans les air fryer. Donc, j'avais acheté 3 poulets au Costco hier. Philippe! Viens faire des pipis! Tu vas en faire 2 pipis dans la toilette, mais tu sais, je suis stressée. Tu sais comment ça fait? Fait que là, j'ai 2 poulets ici. Je les ai mis 30 minutes à 350 degrés. Même chose pour lui ici. Après le 30 minutes, je les vire de bord. Pour un autre 20-25 minutes, là, ça va dépendre, ça devrait être prêt. Là, je vais établir ma liste là, de choses que je veux faire aussi pour les repas de cette semaine. Puis après ça, ben, je vais faire du méga, 11h30. Jonathan est allé faire, est allé porter Philippe et Elliot au centre d'achat. Je fais un peu de cuisine. Je suis vraiment contente de mon petit setup que j'ai enlevé. Les gars veulent manger des croquettes, fait que je vais leur faire cuire des croquettes pas tout de suite parce que là, j'ai plus de place dans mes air fryer. Oh là là! Mais que c'est ça! Voilà! Je vais te remontrer le tout à la fin là, de comme je faisais là, avec mes poulets.
la meilleure sauce tartare que j'ai jamais goûtée de ma vie. C'est vraiment bon. Puis même avec des légumes, là, du cocon. Je te donne ma recette. Une demi-tasse de mayo. 2 cuillères à soupe de crème sûre. Ensuite de ça, j'ai mis 1 cuillère à thé du mélange croquettes de crabe. Parce que là, c'est ça, je me souviens pas si je t'avais dit. J'ai fait des croquettes de crabe avec la moitié du sachet. J'ai mis une canne de crabe, une canne de thon. J'ai fait cuire ça dans le four parce que mes air fryers étaient pleins. Entre-temps, j'ai fait aussi la mayonnaise parce que je vais m'en servir pour mon autre recette aussi de burger au saumon qui va être faite avec ça aussi. Donc, c'est ça. Mayo, crème sûre, 1 cuillère à thé de ça, 1 cuillère à thé aussi d'aneth et citron. Aneth et citron, comme ça ici. Puis 1 cuillère à thé de relish là, ordinaire. Là. C'est tellement bon. Là. C'est fou, fou, fou. Fait qu'on trempe les petits crab cakes dedans. Fait que ça fait très, très bon. Puis je vais en servir aussi tantôt pour mes burgers là, de bœuf, de saumon que je veux faire. Je sais pas si je vais les faire aujourd'hui. Mais j'essaie. Fait que voilà. Mon poulet est écœurant. Il est parfait. Après 1 heure, dans le fond, 30 minutes de chaque côté à 350, il est vraiment très, très bon. Puis, la nouvelle air fryer cuit autant bien que ma Ninja. Là, je peux pas dire qu'il y a une différence, ça pourrait. Je suis très satisfaite jusqu'à maintenant. Alors, je continue mes petits repas. En même temps, ben, je t'ai montré là, comment est-ce que je m'installais pour faire mes photos. J'aime tellement ça. Fait que c'est ça. À tantôt! Hola, bon matin! Hey, j'espère que tu vas bien! J'étais en livraison ce matin, je suis partie vraiment tôt avec les garçons, avec Oscar et Philibert. Je suis à Saint-Honoré, donc moi qui disais encore une fois, je suis pas capable d'arrêter de faire des commandes de groupe parce que dans le fond, ça permet aux personnes de mon entourage de sauver du shipping. Fait que. C'est ça. Fait que souvent, c'est plusieurs. Faudrait que je fasse. Que je statue sur le fait que. Ben, je ne fais plus de livraison en bas de 50$ d'achat, mettons, tu sais. Parce que sinon, ben, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est sûr, c'est pas grave, là. C'est pas mal ça qui s'est passé. Quand même. Donc, je suis en livraison ce matin. La nuit, c'était bizarre. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, bref, Oscar s'est pas réveillé la nuit. Jonathan l'avait couché dans le lit à Marcus hier. Hein, Oscar? Oscar, il a fait dodo dans le lit à Marcus presque toute la nuit. Philibert, il a fait une bonne partie de son dodo dans son lit aussi. Puis Marcus était couché dans le lit à Oscar, mais lui s'est réveillé assez tôt, il me semble. Fait que c'est ça. Oscar, Philibert s'est réveillé comme 2 fois cette nuit. Je suis allée porter Jonathan le matin. Puis là, hier, j'ai commencé à faire des impressions là, pour imprimer mes factures. Là, je stresse à cause de mes impôts parce que moi, j'ai pas vraiment gardé d'affaires. Je suis vraiment mal pris. Je ne comprends pas bien l'affaire là-dedans. Il faut que j'appelle mon planificateur financier par rapport à ça pour qu'il puisse me guider. Parce qu'à date, là, cette année, j'ai comme tout gardé. Là. À partir de janvier, j'ai tout gardé mes factures. Au complet, d'épicerie, de gaz, de tu sais, tout ça, parce que, tu sais, je... On va me faire klaxonner quand je peux pas avancer, là. En tout cas, fait que c'est ça, tu sais, là, je suis plus consciente de ça, donc ça devrait être correct, mais pour l'année prochaine, mais cette année, je vais sûrement payer beaucoup d'impôts, beaucoup, d'après moi, oui, parce que c'est ça, j'ai pas... Je comprenais rien, puis j'ai comme pas fait attention, mais là, je suis en train d'imprimer comme mes factures d'électricité, pas d'électricité, de sel, les factures de... Factures de sel, factures de d'Internet. Je vais aller voir au Costco s'ils sont capables de me faire imprimer des factures d'épicerie de l'année 2021.
je vais leur demander, là, tu sais, ça me coûte rien de leur demander, au pire, ils vont me dire non. Puis, mais ça ferait donc bien, tu sais, je pourrais prendre mes factures Costco. Ensuite de ça, je vais essayer de faire mes factures de cellulaire aussi, un petit peu d'hydro, avec des factures Amazon, puis Eugène Allard aussi que j'avais acheté l'année passée, puis que je voudrais peut-être faire des petites, aller voir pour qu'ils puissent me faire imprimer ces factures-là que j'ai faites en ligne, sûrement qu'ils sont capables de retrouver ça. Fait que je vais essayer d'aller chercher ça le plus que je peux, puis ça va être ça. Que veux-tu, que veux-tu? Bon, fait que sinon c'est ça, ça va être une journée, une belle journée. Je suis super de bonne humeur, puis c'est ça, ça va être une belle journée. Les garçons, ils sont gentils, ils font bien ça dans l'auto. Puis là, ben, je leur ai dit qu'on allait manger du McDo, fait qu'ils sont super contents. Hein? Oui! Il est 1h-10. Genre, les gars viennent juste de partir pour l'école, puis finalement, j'ai décidé que j'allais pas porter Oscar puis Philly au jardin. J'avais le goût de me reposer, de pas être à la course à midi, puis de dans 2 heures retourner les chercher. Fait que j'ai décidé que j'allais rester à la maison avec eux autres. Puis à midi, j'ai fait des super belles photos de mon burger de saumon, fait avec le sachet crabe, croquette de crabe. C'était vraiment bon. Puis c'est ça. Fait que là, on est dans mon lit, j'ai mes affaires, mon ordi, mon téléphone. Je vais peut-être bien faire une petite sieste. Je vais mettre le nouveau film Alerte Rouge sur Disney+. Fait que hey, c'est ça. J'ai pris mon ordi. On se reparle un petit peu plus tard. Il était 20 rien qui vole. C'est bon. J'ai fait un œil. Un petit peu de ça. Mais un petit peu d'avail. On a besoin de l'eau. Bon matin. J'espère que tu vas bien. Donc, ce matin, on a reçu très tôt des spéciaux épicures. Fait que là, je suis comme dans ça ce matin. J'ai comme pas fait d'autre chose. J'ai fait un peu de lavage. J'ai trié mon linge en bas. J'ai des téléphones à faire aujourd'hui par rapport à mes impôts. Faut que j'appelle notre planificateur financier. Ah, comment ça, t'as une couche? Je veux mettre Philibert propre. Hier, j'ai pas fait. Puis là, aujourd'hui, je voulais qu'il mette juste des bobettes. Et là, je suis vraiment comme pas de maquillée. Je m'excuse. Fait que c'est ça, je vais le mettre propre à matin. Puis là, ben, il s'est mis une couche. Ben, là, comme je suis super occupée, tu sais, je peux pas vraiment. Je le mettrai en bobette après-midi. Ensuite de ça, bientôt, on va aller souper au restaurant Scores. On a été approché par une compagnie de marketing de la région, qui est nouvelle. Là. J'avais jamais entendu parler d'elle. Puis, on va pouvoir aller manger au resto, moi puis Jonathan. C'est la réouverture du bar à salade. Puis moi, j'aimais vraiment ça, le bar à salade chez Scores. Quand on restait à Chicoutimi, dans le temps, on allait tout le temps manger là. Ça fait longtemps de ça. Mais c'est ça, c'est ce que tu veux. On était plus proche du restaurant dans ce temps-là, fait que c'était facile d'y aller. Les garçons ont fait un peu de peinture tantôt, ça a duré 5 minutes. Puis c'est ça, fait que j'ai vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui dans le fond, mais là, je suis vraiment, vu que c'est comme un imprévu, cette histoire de rabais-là, puis que je veux pas manquer ma shot, ben c'est ça, ça va permettre à l'équipe là, de probablement faire des belles ventes pour le mois de mars, qui est un peu plus difficile. Donc, c'est ça. Fait que je fais ça ce matin. J'essaie de faire du montage de vidéo aussi. Puis, après-midi, ben, je ferai plus de ménage. Coudon! Parce que là, toute l'avant-midi, tu sais, je vais mettre du temps quand même, là, mais toute l'avant-midi, je vais la consacrer à Épicure. J'ai raison. Bon matin! J'espère que tu vas bien ce matin! On est mercredi! Il est 10h. Je starte une sauce à spag express. Ben, Oscar qui veut manger du spaghetti à midi, fait que je starte ça. Genre, en fond, ça va être vraiment super simple. J'ai sorti un sachet, malheureusement, qui n'est plus disponible. Lasagne rapide. Tu vas peut-être le retrouver, par exemple, au courant de l'année dans la boîte Épique. Fait que c'est un des avantages à t'abonner à la boîte Épique,
C'est ça. À date, là, je tripe vraiment ma vie. Tout ce que j'ai le goût d'utiliser puis de créer des recettes avec juste avec les sachets. Moi qui n'utilise pas beaucoup les sachets normalement, là, je fais que ça et j'adore ça, créer des recettes. Fait que ça me pousse comme à un niveau de créativité que je n'étais pas, que trippant. Je suis vraiment contente de faire ça. Fait que je t'invite vraiment à t'abonner à ça. Si tu hésites encore, je vais te réexpliquer comment ça fonctionne. Dans le fond, tu as un plan d'abonnement qui est 3 mois, 6 mois, 12 mois. Je recommande toujours le 12 mois parce que comme tu peux te désabonner quand tu veux, ben c'est plus avantageux pour toi d'avoir le 12 mois, étant donné qu'au mois 6, tu as 20$ à dépenser, donc tu peux racheter ce que tu veux, puis tu as 20$ à dépenser. Puis la boîte numéro 12 est gratuite. Chose que tu n'as pas quand tu t'abonnes avec le 3 mois. Parce que quand tu t'abonnes avec le 3 mois, même si tu as le goût de continuer après, tu ne pourras pas avoir accès à ces promotions-là. Fait que si tu prends 12 mois comme tu peux te désabonner en tout temps, ben c'est pas. T'es pas perdante là, dans le fond. Donc, je recommande le 12 mois. Puis quand tu es tannée, t'arrêtes. Mais ça me surprendrait que tu sois tannée parce qu'en plus, notre groupe qu'on a créé privé sur Facebook pour les Pickbox avec des recettes, il y a vraiment un beau taux de participation. C'est vraiment, vraiment le fun. Le monde donne leurs trucs. Les conseillères, d'autres conseillères donnent leurs idées recettes. Les clients donnent leurs idées recettes. C'est vraiment, vraiment ça. Fait pour 35$ par mois, Oscar! Pour 35$ par mois, c'est pas cher! Puis t'as des belles recettes. Moi, je maximise les sachets. Donc, souvent, j'utilise pas tout le sachet pour faire une recette, mais j'utilise un sachet pour faire 4 recettes. Fait que c'est encore plus avantageux. Les portions deviennent encore moins chères. Puis, t'en as pour ton argent encore plus. Fait que moi, je suis vraiment, vraiment satisfaite. Là. Je suis vraiment contente. Puis, j'aime ça avoir les exclusivités. Cette semaine, ce mois-ci, au mois de mars, on a eu croquettes de crabe, que j'adore déjà. Puis, carré rouge taille, qui est une découverte pour moi. Donc, je mets dans mon petit chaudron. Voyons. J'avais une carotte de pris dans la manche. Carotte et céleri. Je vais ajouter une canne de tomates en dés. Un piment. Ou deux. J'ai pas de piment vert, fait que je vais ajouter un piment orange déjà entamé. Ça ressemble à du fili. Puis un piment rouge, un jaune, puis un rouge, tiens. Fait que ça va faire de la belle couleur. Pour la viande, je vais faire dégeler un saucisse italienne. Ça va être vraiment bon. Les garçons vont être contents de manger du spaghetti. Moi, je pense que je vais me faire une poutine italienne. Oh que oui! Ouais! C'est vraiment pas long. Hein? C'est sûr que c'est pas une sauce qui va avoir mijoté des heures et des heures. Là. Bon, ça m'en revient dans la tête. Ça va être très bon quand même. Les garçons, eux autres, ils vont être bien contents. J'avais rien vraiment de prévu aujourd'hui. Je me suis mis un peu de temps. Puis là, je suis tellement en retard dans mes vlogs. Ça n'a pas de bon sens. J'ai un mois de retard. Ça va me prendre 6 mois à rattraper. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça, c'est plus long avant que je sorte des vidéos. J'essaye le plus possible. Puis, mais c'est vraiment pas facile. Disons que je manque de temps pour tout faire. Puis de ce temps-ci, j'ai vraiment le goût de cuisiner puis de produire des photos. C'est vraiment une grosse passion pour moi, la photo de bouffe. Je capote vraiment ma vie. Je pense que je vais m'ouvrir un Pinterest, sérieux. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Pinterest, c'est un des plus gros moteurs de recherche du web. Et côté bouffe, c'est assez intense au niveau des recherches. C'est assez populaire des recettes parce que tout le monde cuisine. Puis, tu sais, oui, j'utilise mes épices, tout ça, puis ça les met en valeur. Puis, je suis vraiment heureuse de ça. Mais au-delà de ça, j'adore prendre des photos. J'ai pas mis d'oignons dans ma préparation parce que c'est déjà. Les sacs comme ça sont déjà très oignonnés. Possiblement une des meilleures sauces à spaghetti que j'ai faites depuis longtemps. C'était vraiment bon. Je me suis fait une poutine italienne gratinée à l'air fryer. C'était déchaîné.
J'étais gênée. Les enfants ont vraiment bien mangé, pour vrai. Puis non, c'était super bon. Ma sauce était vraiment bonne. Puis c'était parfait. Donc, c'était un midi difficile en termes de chicane. Enzo barre sa porte de chambre. Puis là, ça fait deux jours que Oscar puis Philibert vont fouiller dans sa chambre. Puis quand même, c'est la crise de nerfs. Fait que ça fait beaucoup de peine à Enzo. Ça le fâche beaucoup. Puis c'est ça. Fait que les, puis ses frères, ben, ils respectent pas ça. Marcus n'a pas d'école l'après-midi. Ça va être un midi difficile. Fait que je vais essayer de m'en sortir. Là, je ramasse ma cuisine. Puis j'attends mes poignets. Je me suis commandé mes poignets avant hier. Je les ai commandés. Quand j'ai enlevé ça, là, dans le fond, je me les ai commandés. Puis ils arrivent. Fait que c'est sûr, j'échange après-midi. C'est sûr, c'est sûr. Oh! J'ai trop hâte de voir l'effet que ça va faire. Fait que j'espère qu'ils vont être belles. J'espère qu'ils vont être de qualité quand même, que ça va donner un beau look. Donc, c'est pas mal ça ce matin. Bien, comme il y avait des gros spéciaux qui ont sorti hier avec Épicure, j'ai été beaucoup là-dedans depuis hier soir parce que c'est des spéciaux qui restent pas longtemps dans ce temps-là. Bien, il faut se faire, pour, comme te grouiller si on veut avoir du stock pour faire des commandes parce que ça part comme des petits pains chauds, comme on dit. Fait que c'est ça que j'ai fait ce matin. Puis là, ben c'est ça, je ramasse la cuisine, propre, propre, propre. Puis à mesure que je vais avoir mes poignées, ben, je vais tout nettoyer mes armoires en même temps. Pour ça va être fait pour le ménage du printemps. Donc voilà, fait que là-dessus, je te souhaite une belle après-midi, puis je t'en jase ça plus tard. J'ai envoyé les gars jouer dehors. Away, away Léo! Ça suffit! Ça suffit! Puis j'ai reçu mes poignées! Ça va tellement être beau, hein? Je capote. Fait que c'est ça que je commence à faire. J'ai tout lavé mon... C'est vrai qu'elle accroche. Non, ça ne marche pas. Ouais, ça va vraiment être beau. Je suis contente. J'en ai 30. Je pense que je vais avoir un deuxième colis qui va arriver peut-être demain. Fait que pour les 10 qui vont rester. Sinon, ben, je vais vérifier pour être sûre que je les reçois toutes. Parce que j'en ai besoin de 37. Fait que j'en ai commandé 40. Regardez-moi ça comme c'est beau! Il m'en manque, fait que j'ai pas pu tout finir. Je te montrerai ça quand ce sera fini. À quel point c'est le fun! Fasse plus noir quand c'est quand il est rendu 6 heures. Aujourd'hui, j'ai lavé mon lit. Fait que il n'est pas fini de sécher. Il va finir de sécher plus tard un peu. Mais là, Philibert va se coucher. Fait que je vais mettre au moins mon drap contour. Va pouvoir se tendre un petit peu, écouter tes films. Sinon, Marcus, Oscar et Enzo sont dehors. Puis ils jouent dehors. Ça me fait beau. Fait que. Ils trippent, eux autres. Tant mieux qu'ils en profitent, ça achève. J'ai hâte, en maudit, d'aller dehors prendre mon café. Et j'ai hâte, on a tout hâte. Moi, je capote. Fait que c'est ça. Je vais faire mon lit, installer Philly, puis moi, je vais aller finir ma cuisine, ramasser. C'est ça. Que, ça a été long, les poignées, là, parce que je pouvais pas prendre la drill à cause que ça stripait toutes les vis. J'ai fait à la main 30. J'en ai fait 30 en main. Puis en plus de ça, il a fallu que j'enlève mon panneau des deux dernières, ou ma porte de mon garde-manger parce que je pouvais pas visser la vis. C'était comme entre les deux. Bref, de la belle merde, mais en tout cas, ça a bien été quand même. Je suis super contente. C'est vraiment beau. Ça prenait ça, là. Ça change vraiment beaucoup, beaucoup le look. Je suis extrêmement contente. Donc, voilà! Là-dessus, ben c'est ça. Là, je pense pas que faut que je finisse de monter mon vlog, là. Absolument, c'est ça que je vais faire à soir. Puis, c'est tout. Je te dis un beau bonne nuit. On se reparle demain. Jeudi, faut que je garde l'auto. Jonathan travaille. Ben, faut que je garde l'auto. Jonathan travaille pas! Quelle joie! Quelle joie, Seigneur! Quelle joie! Jonathan ne travaille pas jeudi. Ça fait une éternité que c'est pas arrivé. Fait que je suis super contente.
J'avais besoin de garder l'auto. Fait que, tu sais, je vais me faire teindre les cheveux demain à 4h30, couper aussi. Puis, j'ai une rencontre avec une de mes conseillères puis ma directrice pour y parler du leadership. Puis, la motiver puis la craquer. Fait que c'est parti pour la soirée. Puis, on s'en parle demain. Bye! Ça va, Poutoune? Bon matin. Bon vendredi! Yeah! Vendredi! C'est vendredi! J'espère que tu vas bien. Hier, j'ai pas filmé finalement. Mais je vais te faire un résumé. Hein? Donc, Jonathan est en congé. Fait que c'était comme un congé. Ça fait vraiment longtemps qu'il n'avait pas eu de congé. On en a profité pour faire des petites commissions ensemble quand les garçons étaient au jardin l'après-midi. Moi, je suis allée chez la coiffeuse hier soir. Je suis revenue à 8h. Fait que ça fait vraiment du bien. J'ai comme une petite coupe là, concave comme ça. Je la trouve vraiment belle. Je suis contente. J'ai reçu le reste de mes poignets aussi. Fait que je vais finir ça aujourd'hui. Ce soir, je vais peut-être aller faire quelques petites commissions. Faut que j'aille chez Costco. Puis, aujourd'hui, je vais cuisiner. Puis, d'ailleurs, c'est ça, je suis allée chez Jeanne-Laure m'acheter de la belle vaisselle. Fait que c'est ça, j'ai une couple de petites affaires à faire. Je me suis mis du temps. Là. Je vais prendre mon café, je ne l'ai pas pris encore. Puis, après ça, ben, c'est ça, je vais me lancer comme dans le ménage un peu parce que j'ai vraiment négligé ça les deux derniers jours à cause des spéciaux et piqûres. Mais là, je vais commencer par te montrer mes achats que j'ai fait hier. Donc, je suis allée chez Shop Santé. Je vais là chez Shop Santé, pas pour les produits d'entraînement, tout ça, parce que nous autres, on fait affaire avec l'entrepôt, Finesse l'entrepôt. On prend les produits à Jonathan là, puis nous, on prend la marque XPN, puis on les prend chez Finesse l'entrepôt. Mais moi, je vais chez Shop Santé parce que il y a beaucoup de produits qui sont keto, là, fait que j'en profite pour aller là pour ça. Donc, je me suis acheté du sucre d'acasanade, dans le fond. C'est de l'érythritol. Je me suis acheté ça. Puis, j'ai acheté aussi du sucre à glacer. Dépendamment des recettes, des fois, on a besoin comme de ces différents sucres-là qui sont pareils, mais pas pareils, tu sais. Et j'en ai profité aussi pour acheter la fit sauce, la mielleuse. Ça contient du sucralose. C'est ça qui me bloque un peu, mais en même temps, je pense, dans mon ketchup, il y en a, puis j'en consomme à l'occasion. Fait que, tu sais, de temps en temps, c'est pas tellement grave là, que j'en mange. C'est sûr qu'on priorise pas ce sucre-là. Je vais prioriser érythritol, stevia, tout ça. J'ai hâte de voir, parce que moi, dans mon boutarde au miel, j'adore ça. Fait que, puis tu sais, celle-là est piqûre. Bien que celle des piqûres soit la meilleure que j'ai mangée, mais elle n'est pas faite avec... c'est quand même beaucoup de sucre. C'est ça qui est plate, là, mais... T'sais, si je peux avoir une alternative un peu moins sucrée, je vais la prendre, c'est sûr et certain. Et finalement, chez Jeanne-Laure, j'ai eu des gros coups de cœur. L'été s'en vient, j'ai vraiment hâte de cuisiner des recettes un peu plus estivales. Fait que je vais te montrer ça. Je sais pas si ça m'a coûté comme 80$ quand même, mais c'était pas tellement cher. J'ai trouvé ça ici, comme une genre de plaque. Un des coups de cœur que j'ai eu, c'est cette assiette-là. Elle est tellement magnifique, c'est Jonathan qui l'a choisie. Elle est vraiment belle. C'est wow, là, ça va être wow. Un gros coup de cœur pour ce bol-là. Il est comme jaune mât. Regardez-moi ça, comment ça va être beau et ensoleillé. Mon méga coup de cœur, c'est vraiment cette assiette-là. Regarde-moi ça, comment c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça n'a pas de bon sens. Ça va être magnifique. Fait que j'étais vraiment très contente de mes achats puis de mes trouvailles. J'aurais pu dépenser encore beaucoup plus que ça. On s'entend. Mais c'est ça. Je me suis retenue un peu, mais je vois un petit peu de temps en temps. Puis je m'en achète. Puis c'est correct. Puis j'ai acheté des choses pour mes desserts aussi. C'était comme, ça vient en paquet de 6 comme ça. C'était pas cher, là, c'était 10$ pour 6. Je me suis acheté des petites copes comme ça ici. Mais tu sais, je sais pas trop ce que je vais faire avec. Là. Parce que tu sais, j'aimais moins là, le fait qu'il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait pas vraiment ce que je cherchais exactement. Fait que tu sais, j'étais un peu déçue pour ça, mais c'est pas grave. Là, je vais le surveiller, puis il va peut-être en avoir d'autres. Ensuite de ça,
j'ai acheté ces beaux petits bols-là qui sont comme ma coupe de cheveux. Fait que, ils sont vraiment mignons pour de la trempette, pour des petits desserts, des petites bouchées. Fait que, j'en avais 6 aussi dedans. C'était vraiment pas si cher que ça. Fait que voilà mes beaux achats. Je suis vraiment, vraiment contente. Je vais trouver une place pour ça avec ça parce que là, clairement, j'en ai plus de place. J'ai hâte d'avoir mon îlot. Et c'est ça. Fait que je me mets dans mon petit ménage. Je vais prendre mon café en même temps que je fais ma vaisselle, je pense. Puis je vais écouter des podcasts. J'adore les podcasts. Fait que c'est ça. Je te dis une bonne journée. On s'en parle plus tard. J'ai fait un ménage de mon frigidaire en bas. Fait que ça m'a refait plein de vaisselle que j'avais pas eu, que j'avais déjà fait. On s'en sort pas. J'ai aussi fait du ménage dans mes armoires pour les rendre plus fonctionnelles. Là, je suis en train de préparer le dîner. Il faut que je te parle de mon truc. Je sais pas si t'es genre à faire des patates, des frites de patates douces maison ou du céleri rave maison, puis c'est jamais croustillant, même si t'es mis dans l'huile quasiment. Fait que le truc, faut que tu ajoutes de la protéine iso, comme ça, nature, dans tes frites avec un peu d'huile. Moi, c'est ça que je fais. Et ça les rend croustillantes. Puis là, tu les assaisonnes avec ce que tu aimes et les choses de ton choix. Moi, j'adore ça. Ça fait comme une couche de... Ben, ça fait une couche de chapelure un peu. Fait que ça les rend super croustillantes. C'est vraiment bon. Moi, j'assaisonne mes frites avec SPA. Sur la fin, j'en ai un nouveau, une chance. Puis du paprika espagnol fumé. Je les envoie dans la fryer pendant une vingtaine de minutes. J'ai décidé que j'allais pas cuisiner finalement. Je me suis startée sur ma hotte. Je suis en train de la dégraisser avec ça ici là, que j'ai acheté chez Rose Bonbon il y a pas si longtemps. Donc j'ai acheté ça. Puis là, je passe aussi un petit sablage. Puis c'est ça, car Philibert joue en haut dans la chambre à Philibou. Moi, je fais ça tranquillement. Ça va être bien tranquille l'après-midi. Je suis rendue à mettre l'après. J'ai masqué un peu là, pour pas peinturer mes armoires. Donc, c'est parti! Salut! Je voulais faire semblant que c'était le matin. Ben non, j'ai pas vlogué la journée. J'ai fait plein de choses, mais j'ai pas vlogué. Mais là, je commence à vlogger tout de suite à 4h15. Jonathan est à la messe avec Oscar et son père. Moi, je suis en train de me verser une petite coupe de vino, ben relax, parce que là, je m'en vais me préparer. Parce que ce soir, c'est une soirée spéciale. Moi et Jonathan, on va souper au restaurant. On a eu une invitation. J'ai eu une invitation, en fait, pour la réouverture du bar à salade chez Scores. Puis, c'est ce soir qu'on va là. Fait que je sais même pas c'est quand la dernière fois qu'on est allé manger au restaurant, moi et Jonathan. Je pense que c'est quand on est allé à l'hôtel, genre en janvier l'année passée. Là, ça fait un an et quelques. Puis, je vais vous montrer ça. Regarde-moi ça. J'ai décidé de peinturer mon coq. Puis là, le rouge aussi. Tout ce qui est en céramique autour de mon poil, ça, je vais le peinturer noir aussi. Parce que je trouve que c'est pas la même céramique. En fait, c'est complètement différent. Fait que je vais faire un tout le tour. Ça va faire comme un genre de focus noir avec l'îlot qui va être noir ici. Fait que ça va être comme... Ça va être ça, là, noir. Je veux pas en mettre trop parce que j'ai peur que ça soit trop, que ça s'assombrisse. Puis ici, on est quand même chanceux, c'est ultra lumineux. Fait que je veux pas assombrir le tout avec du noir. Mais avec les poignées puis tout, là, je trouve ça tellement, tellement beau. Puis le bois me dérange pas. Fait que c'est ça, je m'en vais me laver. Je vais sortir mon linge, je sais même pas ce que je vais mettre. Faut que je fasse la création de contenu là-bas. C'est-à-dire des photos, quelques stories. Puis, c'est ça, ça va être le fun. C'est bon. Fait que, puis moi, j'adore la salade. Et je vais me faire une belle petite salade. Donc, je te reparle un peu plus tard. Puis, on va filmer aussi un peu là-bas.
Il a fait beau cette semaine, aujourd'hui il fait vraiment froid. Fait qu'on est parti, moi puis Jonathan, c'est drôle parce que il est comme 5, presque 6 ans, puis il fait encore super clair dehors. Ça fait bizarre quand ça arrive. Fait qu'on s'en va au resto. Mais là avant, il faut aller chercher un lunch à Jonathan parce qu'il travaille demain en over. Puis après ça, on s'en va au resto. Puis après ça, on revient à la maison. Je t'amène avec moi là-bas. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte de découvrir le bar à salade. C'est sûr que ça va être super bon. Yeah! Ça fait genre l'éternité qu'on n'est pas venu manger au resto, on capote. Jonathan, t'es déjà dans le menu. Moi, je suis dans les apéros. Hein? Fait que je vais me prendre une petite coupe de vin. J'étais starter maison, fait que je vais continuer. Ils ont mon vin que j'achète toujours à l'épicerie en plus, fait que je suis super contente. Fait que je vais prendre ça, c'est les Jamel, je l'aime beaucoup. Que je prends ça. Puis là, j'ai vu le grand saladier, le bar à salade. Tu sais à quel point que je trippe sur les salades. Fait que j'ai hâte d'aller voir qu'est-ce qui va s'offrir à moi ce soir, étant donné mon alimentation keto. Ça ne m'empêche pas de venir au resto, comme tu peux voir. Puis, je m'adapte toujours au fait que, c'est ça, tu sais, je veux dire, je me prive pas, puis je veux pas que ce soit quelque chose qui m'empêche de vivre non plus. Ça serait pas normal que je m'empêche d'aller au restaurant parce que j'ai une alimentation cétogène. Donc, j'ai vraiment hâte d'aller goûter à ce beau bar à salade-là. Jonathan, qu'est-ce que tu vas prendre, toi? OK, c'est beau. Sûrement de la côte levée. Ouais, poulet côte levée. Combo poitrine et demi-côte. Ben, peut-être le club, je sais pas. J'avoue qu'un club, c'est bon aussi. C'est bon, un club. Plutôt que c'est bon, un club. Avec bien de la maillot, là. J'hésite encore, mais ça va être ça, dans ce sens-là. Vraiment bon. Je suis super contente. Ma bavette est excellente pour vrai. Puis j'avais des beaux légumes. C'est des vrais beaux légumes, bien cuits, bien assaisonnés. J'adore. Fait que vraiment très très satisfaite. Jonathan aussi. Jonathan se bourre la face. Poitrine de poulet, côte levée, frites avec de la sauce. Genre, lui, c'est son bonheur. Pour vrai, c'est bon. Là. Ah ouais. C'est comme. Ça fait la job. Ça fait la job, pour vrai. Là. Puis, tu sais, c'est un restaurant qui est super kids friendly. C'est ça qu'on se disait, tu sais, c'est un beau resto. Ça le fait. C'est un beau resto pour venir en famille. Puis, comme nous autres, on avait le goût de venir juste ensemble. On aurait... Je me voyais pas venir avec les 6 enfants. Là. Genre. Ça me le tentait pas. Mais. Je suis super contente d'être venue avec Jonathan et d'avoir profité justement du bar à salade. Vraiment bon. Je me suis fait une salade style César, ben avec la vinaigrette César. Il y a tellement de choix, tellement de possibilités. Tu peux venir manger juste de la salade si ça te tente, ça coûte pas cher. Puis quand tu prends là, un repas, c'est encore moins cher. Et c'est vraiment super accessible, c'est vraiment très très bon. Je suis vraiment contente. Voilà! Youpi à notre souper d'amoureux! C'est beau la face! Bon, on est de retour! En fait, je suis de retour à la maison! Jonathan a eu un call à l'usine! Fait qu'on a fini le souper et il est parti à l'usine tout de suite, il est venu me porter. Là, je suis en train de faire ses lunchs pour demain parce qu'il travaille en over. C'était prévu l'over demain, mais ce soir, c'était pas prévu. Papa. Mon ami, il m'appelle Billy. Billy? Ben ouais. Poutoune, elle a vomi pendant qu'on était partis parce qu'elle tousse trop. Parce que. Petite garçon de maman. Ça va être l'horreur. Je vais t'épargner ça. Mais je vais te dire le résultat. Bon, fait qu'il y a rien négatif. Fiu. Donc, c'est ça. Fait que demain, Jonathan travaille toute la journée. J'ai fait ses lunchs ce soir pour demain. Je sais pas à quelle heure qu'il va revenir ce soir, mais pour lui,
genre, on savait avant de partir souper que il allait aller travailler après notre souper. On l'a su comme à 5h30 qu'il allait rentrer travailler, puis on est parti souper à 6h30. Fait que c'est ça, les garçons sont vraiment fatigués, ils sont super pas fins. Fait que je m'en vais les coucher dans mon lit, bien relax, puis on sort genre ça demain. Fait que je te dis à demain, on verra ce qu'on va faire, je sais pas encore. Bye bye Marcus! Bye bye Marcus! Bye bye Marcus! Bonne nuit Marcus! T'as un cadenas dans ton cou? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu l'as mis dans ton cou? Parce que je voulais. Ok. C'est ça. T'es en bobette. Ah, puis Oscar est allé chez le papa et la maman Jonathan est allé chez mes beaux-parents ce soir. Après la messe, t'es allé souper là, hein? Oui. Puis ils t'ont donné? Des sous? T'es bien chanceux! Mais ça, c'est un vrai! Ben oui, c'est un vrai! Tu peux acheter. T'as le droit d'acheter des choses avec ça! Fait que je te dis à demain! Bonne nuit! À demain!